Coucou tout le monde, c'est Nono. Salut, c'est Saran, je suis derrière. Donc du coup, on se retrouve pour un nouveau bras de fer qui est ici un bras de fer où on doit créer son propre deck. Donc ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Du coup, j'en ai fait un VDF là, comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. C'est un mage parce que depuis le temps que je le dis, j'adore jouer mage. Et du coup, ce bras de fer là consiste à amuser l'empereur et à chaque... Ah non, c'est à chaque fin, j'avais dit au début, mais en fait c'est à chaque fin de votre tour, d'accord, réduit tout le coût de toutes les cartes de ma main, d'accord, de 1. Et réduit de 1, c'est ça. D'accord. Donc voilà, donc on va voir ce que ça donne. Je fais un petit truc mage vite fait avec beaucoup de sorts, quelques créatures. Donc on va voir ce que ça va donner. Ah oui, donc c'est pas au début du tour, donc c'est les cartes que t'avais eues avant. Donc la carte, ouais, que tu vas piocher au début de ton tour, elle, ouais, sera pas réduite de 1, c'est ça. C'est ça, ça. D'accord. Elle sera réduite, okay, qu'au tour d'après du coup. Ok, ah ouais, ok, ça peut être pas mal. Ouais, carrément. Bon, on va voir ce que ça donne, ça peut être sympa. Donc on va voir ça. Est-ce qu'il y a du monde qui est connecté? Ouais, c'est bon. Des fois c'est un peu de mal. Et en plus, c'est un adversaire convenable. Oh mon dieu! Je m'attendais tellement pas. Ah, Paladin. Je suis ému. Ah, Paladin. Ouais. Il faut voir ce que ça donne en général. Voilà quoi. Vous l'avez cherché. Donc là, en l'occurrence, j'ai enlevé les deux là parce que c'est la fin de tour, donc du coup, ça me sert à rien. Oh bien. Ah bah, bien. Ah bah nickel. C'est nickel ça. C'est ça, je mets ça au premier tour, je suis tranquille. Ça en invente deux en plus. Ouais, deux pour. Et sur le terrain, pas dans ta main, ok. Ah non, il y a ça. Ça, j'aime pas. À chaque fois que je suis tombée sur des personnes qui avaient ça, ils avaient tous des légendaires ultra pétés. Et à chaque fois, je me suis fait baiser la gueule à cause de ça. Bon, après, j'ai mis pas mal de sorts. Il y a deux provoques en plus. Ouais. Ah, ça forcément provoque en fait cette carte. Oui. D'accord. Et là, on voit que tes trucs sont en vert, donc ça te coûte 0 parce qu'ils étaient 2. Hein, voilà. Avant. Et donc celui-là, il va pas arrêter de baisser à chaque fois. Ah, bah, ils vont pas se mettre à moins 1. Oui, bah non. Ça, je vais plutôt le garder justement quand il y aura des créatures. Hop, et puis on va s'arrêter là. Mais du pourquoi coup, t'as pas invoqué deux créatures? Ça sert à rien pour le moment. D'accord. Si j'en mets 4 alors qu'il a pas de créatures, c'est bien pour le début, comme ça, bah, je suis tranquille quoi, mais. Je préfère attendre le moment où je serai vraiment dans la merde, tu vois. Ouais, en plus, ça me coûte 0. Okay. Oui, bien sûr, pour invoquer deux trucs. Yes. Là, c'est les sorts. Et le truc moins. De plus. Pardon, excuse-moi. Oui. Le truc qui fait moins 3 qui fait 3 de dégâts là, c'est seulement sur un monstre ou. Non, c'est réparti. Sur... Ah, c'est gros, au hasard. Donc là, tu l'aurais lancé là, ça aurait été directement sur lui du coup. Forcément. C'est ça, ça aurait forcément été sur lui. Sur lui. Okay. Après, ça alterne soit lui, soit ses créates, ça dépend. Donc, ça pour l'instant, je l'ai laissé là, ça peut être bien. Donc, ça sert à rien puisque mes deux créatures ont provocation. Vous serez comme moi. Et puis, c'est pas mal. Comme ça, lui, tous ses sorts lui coûtent 1 de plus. Pendant, disons... Le temps que ta créature soit là, non? Oui, tout le temps que ma créature est là, ses sorts coûtent 1 de plus. Mais disons, d'accord, que comme le bras de fer fait que ça coûte 1 de moins à chaque fin de tour, bah il va devoir compter des tours de plus ouais, pour ses sorts. Un tour de plus à chaque fois. C'est ça. Inflige 2 points de dégâts. Moi j'en serais ça plus les dégâts, non? Plus les 3 de dégâts. Ouais, c'est ce que je pensais faire. Ça peut être pas mal. Quoique je me dis que c'est un peu con parce que là en fait il va devoir taper là et c'est mieux d'en garder quand il y a plusieurs créatures. Comme ça tu les baisses toutes d'un coup. Ouais, tu peux aussi. Hein. Comme ça après je pourrais toujours taper avec celle-là, lui mettre 1 avec ça. D'accord. S'il la booste pas. Parce que en paladin, tu peux avoir des sorts qui nous donnent de la vie à tes créatures. Ah, ça c'est chiant par contre. Ah, ça c'est chiant, parce que ça met 1, bah je vais la buter dès que je pourrais. Ça. Merde, fais chier. Ah non, c'est ça bien vu. Trop chiant, bah, c'est le même principe que Magic quoi. Quand ta créature te fout des dégâts, bah tu prends les points de vie. Ouais, tu récupères ces points de vie là. C'est ça. Du coup, de lancer ton sort. Ouais, non, on va mettre ça. Ouais, non. On va. Ça sert à rien. On va faire ça en priant pour que tout aille dans sa gueule. Dans la gueule de ce moment de merde. Oh. Putain, fais chier. Bon, bah, c'est quand même ça. Et là, t'as 3. Confère provocation. Je sais pas si je peux lui mettre provocation à lui. Ah, bah, c'est forcément à lui. Voilà, c'est bon, alors. On s'en fout. Très bien, j'ai une autre provocation bouclier divin juste là. En fait, la plupart des créatures que j'ai mis, c'est des provocations. Ouais, ça permet d'être safe, quoi. C'est ça. Comme ça, il me cassera pas trop les couilles, j'espère. À moins qu'il détruise facilement des provocations. C'est ça.
J'espère pas qu'il a Wookiee Viva. C'est parce qu'il a des protège-cartes que c'est rouge, ces cartes, lui? C'est des dots de cartes, en fait, que tu peux gagner. D'accord, tu gagnes des dots de cartes. Ça, c'est des dots de cartes de base, ou... Non, ça, c'est des dots de cartes que j'ai gagnées. Oui, aussi, d'accord. Ils sont jolis, les rouges. Ouais, ils sont beaux. Je sais pas si je les ai, ceux-là. Je sais plus. Je vais d'abord taper... Je vais d'abord taper ça, comme ça, ça dégage. Ça, je peux pas le faire. Ça, mes sorts coûtent un moins. Que faire, que faire? Je vais taper celle-là. Il arrête d'avoir pro-adaptation. Bon, c'était un cri de guerre, donc voilà, mais... Et est-ce que je mets ça maintenant? J'en ai deux, alors ouais, je... C'est pas forcément une bonne idée, mais on s'en bat les couilles. Du coup, celui-là, il est directement arrivé à zéro. D'accord, parce que tu viens de mettre... Voilà, tu comptes le point, le coup de moins de fin de tour, plus elle qui donne un coup de moins, oui. Le coup de un cristal de moins à tes sorts. Sur donc tous les sorts à zéro. Ouais, tous les sorts que j'ai. D'accord. Ouais, donc c'est pas pour l'autre, que pour moi. Tu vois, il a des trucs pour booster. Le couvent serviteur, il donne plus 1, plus 1, c'est ça? Ouais. Ouais. Prêtre et paladin, c'est... Non, normalement... Ah merde, putain. Il va taper, mais moi, comme j'avais pas pu faire celle-là... Ah, mais non, je sais. Ah, yes. Nickel, nickel, on va copier elle. Comme ça fera double sort moins cher. On va mettre 3 à lui, et paf. Attaque directement tout sur le attaque directement avec les deux son héros, non? Ouais. Non, c'est une erreur ou pas? Non, pas spécialement, en fait je réfléchissais s'il avait une autre créature qui donnait adaptation à ses recrues de la main d'argent, mais bon. Et du coup adaptation, c'est-à-dire qu'il copierait une de tes trucs, c'est ça? De quoi? Adaptation, c'est quoi? Non, en gros c'est il donne... Wow. Oh mon dieu, faut que je le bute. J'ai pas le choix, parce que lui... c'est quand ça chaque fin de tour. Ça ah non, c'est celui de prêtre, de... Oui, de paladin. Parce que t'en as un en fait, je crois que c'est guerrier ou je sais plus trop quoi. À chaque fin de tour, il inflige 8 points de dégâts à un personnage ou créature aléatoire. Ça peut être des siens, comme des... Mais sauf qu'il se rend des points de vie à lui. Sauf que celui de paladin, ouais, rend des points de vie. Donc c'est grave chiant. Il a mis un secret, et toi t'as un truc de secret. Ça c'est pour que mon prochain secret coûte 0. D'accord, ton secret à toi. Ouais. Donc faut que tu focus sur l'autre et que tu lui détruises sa créature, sinon il va se rendre 8 points de vie à chaque fois, c'est ça? C'est ça. Donc on va faire ça, ça et ça. De toute façon j'ai une autre... Oh merde! J'aurais tellement dû m'en douter, je suis trop con. J'aurais tellement dû m'en douter. Tu peux jouer ta carte du tour, non? Non, pas maintenant, ça sert à rien, j'ai pas de secret dans la main. Donc Pourquoi t'as bloqué vivant? Ça fait mal tout ça. Oh mon dieu. Il vient de me raser mon board. Bah là c'est le moment d'utiliser ça. Allez, tout sur la créate. J'espère. Non. Et bah par contre il peut pas attaquer mon héros. Donc il peut pas m'infliger 11. Il peut que taper mes créatures, mais du coup c'est chiant. Ouais, parce qu'il me les one-shot. Il faut que tu les sors pour enlever 5 PV quoi. Bah j'en ai. J'en ai mis. Ah, et en plus, il est un peu plus con là, Ragnar. Alors, soit là, il me faut. Oh putain. Soit le truc qui inflige 5 et qui m'invoque. Parce que ça inflige 5 et ça invoque une créature qui coûte 5. Mais il faut soit ce sort là. Soit il me faut piocher 2 cartes et dans les piocher 2 cartes, j'ai ce sort là. Oh putain, fais chier. C'est pas le moment de la mettre, quoi. Si, il faut que. Bah, en fait, non, techniquement, ça me sert à rien. Parce qu'il va me la one-shot. Au moins, ça va. Bah, il va me la one-shot, mais comme S1. Mais il va pas faire avec lui, il va faire avec Ragnarok. Ragnaros, ouais, je pense. Bah, je sais pas, je ferais ça, moi. Je ferais ça aussi, ouais. Il réfléchit de ce qu'il va faire. Bah, il réfléchit, mais moi, je ferais avec Ragnaros. Oui, moi aussi, clairement. Putain, j'ai chaud, du coup. Je me dis merde! Putain, non, pas cette. Mon dieu. Il se heal tout le temps en fait. Ouais, bah ouais, bah il a fait un truc. Putain, c'est pas possible. Bon bah je pense que là, si j'ai pas ce qu'il faut pour m'aider, ça va être un petit peu foutu. Bon bah alors attends. Ça pioche un secret dans mon deck, donc ça va me donner un secret, donc je vais pouvoir mettre celle-là parce que mon secret va coûter 0. Oh, oh oui, oh
Oh, ça tombe bien. Bloc de glace. En gros, je suis insensible pendant... Attends. Ouais, attaque quoi, d'ailleurs? Attaque peut-être... Ah non, moi j'aurais attaqué lui, comme ça il était mort. Il arrive s'il attaquait une de tes créatures. Parce qu'elles avaient deux de défense. Ouais, mais non, il lui aurait resté un, justement. Un de point de vie à sa créature. Bah non, parce que tu lui faisais deux de dégâts. Non, c'est un, ça. Ça donne un. Donc... Rien dit. C'est un peu baiser du cul. Bon, après, là, j'ai encore un tour de safe, tu vois. Ouais, bon, un tour... À mon avis, il doit se douter que j'ai mis bloc de glace. Sinon, il m'aurait déjà face. Avec toutes ses créatures. On essaye de voir ça va être quoi. Comme secret, je pense que c'est un peu... Ah bah non. Il vient niquer sa... son arme, c'est pas plus mal pour moi. Ça me garde un tour, quoi, mais... C'est pas vraiment la sortie que j'aurais espéré de mon deck, en fait. Parce que du coup, ça m'a un petit peu foutu dans la merde. Ouais, c'est foutu, là. Là, c'est foutu de chez foutu. Ah non, je l'ai maintenant. Putain, fais chier. Ouais, bon, c'est mort, quoi. C'est archi mort. Tiens, on a buté ça. Là, même avec mon secret, il me tue. Donc, c'est foutu. Parce que ça donne que 8 points d'armure pour moi. Donc, en gros, il me tape avec son Ragnaros, les 8 points d'armure sont niqués. Il a juste à me taper avec elle, et je suis morte. Ah là là. Quelle ironie. Et bam. Terminé. Tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. C'est le jeu de la vie. On alterne entre défaite et victoire. C'est ça. Yeah. Bon. Bah du coup, c'est perdu. Elle est triste, Nano. Mettez-lui un pouce bleu pour la soutenir. Oui, je vais faire comme le black, là. Ouais, c'est ça. Mettez-lui un petit pouce bleu et un commentaire pour la soutenir. Voilà. Et puis voilà, et puis abonnez-vous, abonnez-vous à la chaîne, page Facebook, page Twitter. Une grosse surprise vous attend dans 2 semaines. Non, la semaine prochaine. Oui. Une grosse vidéo sa mère. Le dimanche, que vous allez kiffer votre race. Voilà. Donc, petite surprise, et en attendant, soyez là, et puis on vous fait des bisous, et on vous dit à très vite. Ciao.